Carnet blanc chez les Kardashians. Selon les informations de TMZ, Kourtney Kardashian et Travis Barker se sont passé la bague au doigt à Las Vegas. Le couple aurait profité de sa venue dans la cité de Vice pour les Grammy Awards, dimanche 3 avril, pour s'unir. Devant un sosie d'Elvis Presley, comme si est-il souvent le cas dans cette ville du Nevada. S'ils se sont mariés dans la plus grande intimité, Kourtney Kardashian et Travis Barker auraient engagé leur propre photographe pour immortaliser ce joli moment. Et ils n'ont pas été les seuls à se dire oui pour la vie ce soir-là. Toujours selon TMZ, le mariage des deux tourtereaux se serait déroulé au milieu de plusieurs autres unions. Des sources ont en effet déclaré qu'il y aurait eu plusieurs autres célébrations avec beaucoup de fanfare. Pour rappel, la sœur de Kim Kardashian et le batteur de Blink 182 se sont fiancés au mois d'octobre dernier. Pour toujours Travis Barker, avait écrit Kourtney Kardashian en légende de deux clichés, où on la voit avec Travis Barker sur une plage, au centre d'un cercle formé par des roses rouges ainsi que des bougies. S'il s'agit du premier mariage de Kourtney Kardashian, qui n'a jamais épousé Scott Disick, le père de ses trois enfants, pour Travis Barker, il s'agit du troisième. Avant de filer le parfait amour avec l'aîné du clan Kardashian, le musicien a été marié en 2001 à Melissa Kennedy, avant de divorcer 11 mois plus tard. En 2004, il a épousé Shanna Mokler, avec qui il a eu deux enfants, Landon Asher et Alabama Luella. Deux ans plus tard, Travis Barker a demandé le divorce, qui n'a été prononcé qu'en 2009. Les proches de Kourtney Kardashian aux anges, tout le monde adore Travis, parent de plusieurs enfants d'anciennes relations, les jeunes mariés tenteraient de leur donner un petit frère ou une petite sœur. Travis et moi voulons avoir un bébé, révélait Kourtney Kardashian dans la nouvelle série de la famille. En attendant, ils vont pouvoir savourer le début de leur vie de mariés. Ils sont complètement fous amoureux l'un de l'autre et n'ont jamais expérimenté une relation telle que celle-ci. Kourtney n'a jamais été aussi heureuse. Travis l'adore et la traite comme une reine, confiait l'un de leurs proches il y a quelques mois. Si est-il très différent de ses précédentes relations, il n'y a que du positif. Et si les sœurs de Kourtney Kardashian n'ont pas encore réagi à la bonne nouvelle, elles doivent être aux anges. Tout le monde adore Travis et leur famille s'imbrique parfaitement. Kourtney est très proche des enfants de Travis et vice-versa, assurait-elle. Ils forment ensemble une famille recomposée et si est très spéciale. Loading widget.